30 ans, là je monte ici. J'habitais là. T'aurais pas voulu être un homme? Ah ouais? C'est-à-dire que vers les hommes, c'est les rois, quoi, vers les voyageurs. Mais est-ce que tu te sens libre en tant que femme? Pour moi? Ouais, pour toi, c'est quoi la liberté d'une femme? Pouvoir s'exprimer comme on veut et quand on veut. En tant que mère, alors, éduquer mes enfants, éduquer dans le sens large du terme, hein, c'est-à-dire donner une éducation citoyenne à mes enfants, le respect de l'autre, ça pour moi ça a toujours été très très important. Moi, je me sens bien dans la vie. Moi, je suis une féministe. Je suis pas là à mordre les hommes, hein, mais je suis pour le droit des femmes. Même en France, il y a plein de choses à revendiquer concernant les femmes. C'est pas évident d'être seule, parce qu'on a énormément de frais. Donc, on a un loyer à payer. À part ça, bon, on a une voiture, puisque pour travailler, il nous faut une voiture. Donc, ben, on a les charges de la voiture. Puis on a l'énergie pour avoir encore oui, bon, des voilà, choses, s'amuser, vivre. Exactement. Donc, bon. Moi je dis, je me fais mon argent de poche. Ouais. C'est-à-dire, j'ai l'impression que maintenant, les gens, la moindre petite querelle entre eux, bon, ben, je m'en vais, je sais pas. Ou alors, les gens maintenant sont on prend des amants comme ça, ou. Pour un rien, je comprends pas, je sais pas. Est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que ça vous fait peur de vieillir, de devenir vieille? Oui. Oui. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas envie d'être morte. Oui, ça. Parce qu'on n'a pas envie d'avoir des petites rayures comme ça, là. Des petites spirales, des traits.